T'as mal au skin, les gars. À l'aide. Comment t'es arrivé là? Tu peux m'expliquer ça? Je t'explique. En gros, j'étais avec ma femme tranquillement posée sur le toit. On va regarder lune de miel, lune des étoiles. On se pose, clac, champignons, popcorn. On commence à grailler. Et là, je m'endors. Elle, qu'est-ce qu'elle se fait? Elle se réveille. Elle est un peu somnambule. Elle croit que c'est un rêve. Elle marche. Comme ça, elle marche. Et là, d'un coup, bam. Et là, d'un coup. Bon, au moins on est en bas quoi. Alors surtout les gars, ne pas reproduire, d'accord? Oh mon dieu, on sait la radio là? Elle fait beaucoup de bruit, vous savez la truc. Pam pam boum boum boum. J'ai un traumatisme. Un traumatisme crânien, c'est vrai ça monsieur? Oh non. Camion! À l'aide. Mais en fait, ils s'en battent les couilles de moi. Les gars, si vous aussi voulez rejoindre le serveur Grand RP, c'est tout simple. Vous allez sur le lien en description. D'accord? Vous cliquez sur le lien directement. Ensuite, ça va vous emmener sur une page. Sur cette page-là, vous cliquez bien sûr si vous êtes français. Vous cliquez sur le serveur français, donc le petit drapeau français. Vous créez votre compte directement. Il y aura un launcher qu'il faudra installer. Et ensuite, il y aura un launcher qui va s'installer. C'est simple. Vous faites l'installation du launcher tranquillement. Ah oui, aussi important. Faut juste avoir la licence de GTA 5. Donc ça, c'est très important. Sinon, vous pourrez malheureusement pas jouer. Mais bon, en soi, il est pas très cher. GTA 5, faites pas les rats, les gars. Et puis, les gars, vous aurez simplement à vous amuser, profitez du gameplay. Monsieur, je m'échappe. Vous avez pas vu de personne courir? Faites attention, on a un malade qui fuit l'hôpital. Oh pardon. Aïe, aïe. Aïe, d'où le malade? Aïe. Abby, viens voir. Je te jure, regarde, viens voir. Wallah, qui te ressemble, il s'appelle Mehmet Blocky Wish. Mais wesh, mais c'est vraiment toi. Ça. Ouais, je prends la moustache bouc et des golfs comme moi, ma gueule. Venez, on va chirurger des gens. Bonjour monsieur, vous avez besoin qu'on vous chirurge? Vous avez monsieur un animal sur l'épaule et vous avez une sale gueule. Venez, on va corriger ça. Venez, venez. On va le bloc opératoire. Après moi de base j'allais bien. Ouais mais bon là monsieur, franchement il y a des choses à retaper. Vous inquiétez pas, je suis chirurgien avec mon équipe. Donc on a mon producteur et mon beatmaker, on va faire du sale. Venez, allongez-vous. Vous êtes professionnel hein? Mettez-vous tout nu s'il vous plaît, allez. Professionnel oui, bien sûr. Ah c'est parti! Que la chirurgie commence! On est en train de refaire sa face! Et on est bien là! Voilà, mettez sur le branquignol ou brancard, je sais pas quoi là, et puis on la met sur. Bon les collègues, je vais utiliser une technique marocaine pour le réveiller, d'accord? Oh, je lui pète dessus là. Ah, dans ta gueule. Dans ta gueule, dans ta gueule. Et bah voilà, monsieur, ça va? Allez, je sens plus rien. Vous sentez plus rien? Bah, c'est comme ça, monsieur. Pourquoi j'ai un bras en moins? Non, c'est normal, ça, c'est des effets secondaires de la chirurgie. Oh, désolé! Comment ça, il y a Tobias? Il est où Tobias là? Tobias, le chien! Encore Nook! Ouais! Je vais gagner, hein! Je te le dis tout de suite, je vais gagner! Mais t'es un ouf, mais mon frérot, je voulais 100k moi! Ouais, le staff! Qui m'a tapé? La viande, j'aurais des animaux en plus! A l'aide! A l'aide! A l'aide! A l'aide! Ok, les gars, c'est parti! Les gars, pour l'instant, on est bien. Je suis 3ème actuellement, officiellement. Ok, masterclass. Ah, y'a la birade. Oh putain, je crois qu'il fallait pas aller tout droit. Ah merde, j'aurais pas dû aller là. Ah d'accord. Oh, oh, mais attends. Mais c'est là. Mais c'est là les gars. Mais les gars c'est là. Les gars c'était là. Les gars je suis premier. Attends mais y'a encore un labyrinthe dans le labyrinthe. Oh non sa mère. Oh non. Oh oui. Attends les gars. T'es mal. Regardez, le conteneur où je vais c'est le plus haut. Donc ça me paraît plus logique. Oh, oh ah. Attends mais quoi. Enfin les gars, je réussis un truc dans ma vie. Le bac, je l'ai eu, mais avec justesse. Chef, faire quoi, chef? Chef, faire quoi? Faut pas courir. Faut pas courir avec des talons. Ok. Les gars, je vous le jure, on dirait que c'est scripté. Mais rien n'est scripté, les gars. J'ai gagné là? Bah ouais. Ouais, la prochaine fois, faut augmenter la difficulté. Ouais, faut. Ouais, c'était pas. Non, je rigole. Franchement, GG le staff, GG. Aïe. Ah putain mon chapeau. Monsieur, peux me déposer s'il vous plaît? Oui. Allons-y. Allez-y d'une manière assez rapide quoi. Ça arrive. Oh, purée. Oh mon dieu. Oh purée, ça arrive. Ça arrive, ça arrive fort là. C'est l'embrayage. Oh mon dieu, ça. Ah oh, ouais, tout le monde se casse la gueule. C'est super, c'est ici. Merci beaucoup monsieur. Au revoir. Ah d'accord, c'est à nous de le faire tout seul. Masterclass. En vrai c'est bien. Oh non. Putain, j'avais oublié qu'il y avait parfois des guignols. L'aileron par contre il tue sa mère. Incroyable. Aberrant. Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils sont cons quoi. Stop. Oh le rose. Gang des roses. T'as capté ou pas? T'as capté? Fais du feu. Ouais les gars, quelqu'un ouvre sa bouche, il se met à côté et il ramasse les flammes. Ah. Ouais vas-y. Ouais. Attention. Hop là. Oh.
Pardon. Ah, il y avait un dodan. Ça arrive, ouais. Donc là, créneau, faut mettre rétroviseur contre rétroviseur. Et là, faut comme ça, clac, 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 clac. Et là, hop, tu enchantes. Et là, boum. Et là, on est sur un créneau. Masterclass. Après, quand t'as des fils de pute qui te rentrent de. Allez, venez. Bonjour, madame la gouverneure. Bonjour, alors vous pouvez rester à l'entrée, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame. Ressortez dans le sas, s'il vous plaît. Moi, hey, les gars, je vous connais pas. Vous êtes personne pour c'est moi. Tobias, c'est Tobias. Non, je suis pas Tobias, c'est Mehmet. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Je paye un poulet, là. Oui, alors, personnellement, je suis un investisseur, les autres, je les connais pas. Donc, moi, je suis nous tout seul. On te connaît. Monsieur, vous avez un de ses crânes, il est luisant, chef. Ils abusent. Votre passeport, s'il vous plaît, monsieur. J'en ai pas. Ah, bah, il en a pas. Ben, voyons comme par hasard, hein. Ah, ouais, lui, il est un peu basané. Oh mon dieu! Hop monsieur, le poulet. On m'appelle la poulet madame. Parce que je suis une poulet et un lapin en même temps. J'aimerais parler au gouverneur pour investir. Un grand investisseur en ville. Bah pour l'instant il est pas là, mais je suis là, donc vous pouvez commencer à m'en parler. Bah, si vous on voulez. Peut aller dans un bureau tous les deux? Oui, y'a pas de soucis, venez. C'est bien. Les gars, venons, on s'en vante une vie. Madame, fermez la porte derrière, s'il vous plaît. Lui, il est pas avec moi, lui, il faut sortir. Oh là là, hors de ma vie. Ah, il est pas avec vous? Ah oui, non, non. Si, t'es monsieur, mon animal monsieur, de compagnie. Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît. Allez, gentil, sinon je vais devoir appeler la SPD. C'est ma poule. En vrai, moi j'appelle la police. Attaque. Madame, il est là le gouverneur? Du gouvernement. Sortez, s'il vous plaît. Le gouverneur va pas tarder, monsieur. Y'a pas de soucis, madame. Vous commencez à me parler de votre. Bien sûr. Vous pouvez. Alors, bon, il faut savoir, madame, que je possède en fait des milliards de dollars en ville. Je pense que je suis l'un des plus riches, même en étant en ville. J'ai fait fortune dans la crypto-monnaie et différents placements en bourse et en trading. Et donc, j'aimerais. Là, c'était mes fanboys en fait, ceux qui étaient devant. Donc, c'est des fans de comment j'ai procédé à avoir cette richesse-là. Et donc, j'aimerais placer mon argent parce que j'ai de l'argent beaucoup qui dort en fait. D'accord, ok. Ah, c'est très intéressant. C'est... Mais d'accord, t'as une poule qui vient de parler. C'est cool. Ah, c'est bien. Il faut des gens comme vous de toute façon. Bah, forcément. Mais il faut être travailleur, madame, j'ai envie de vous dire. Et vous, en ville, vous êtes. Le gouvernement est assez aisé? Oui, on essaye de s'en sortir comme on peut. La trésorerie est stable? Oui, ça va à peu près, on va dire. Bah, déjà, pour vous, madame, pour le rendez-vous, déjà, merci beaucoup. Et les gars, venez, elle va être trop contente. Tenez, madame, c'est pour vous. Il ne fallait pas, monsieur. Non, mais c'est juste. Il ne fallait pas. C'est pour le temps que là, vous m'avez accordé. Est-ce que vous avez, donc peut-être un numéro pour vous. Enfin, vous me recontactez, et comme ça, vous me direz quand est-ce que le gouverneur est là et que je repasserai. Oui, si vous voulez, bah passez-moi votre numéro au pire, et comme ça, je le note et je vous appelle dès que le gouverneur est là. Il faut avoir son numéro, les gars, dommage. Je vais l'acheter avec un numéro. Mon numéro, madame, c'est le N-O-N espace D-I-S-P-O-N. I-B-L-E. Bonjour. Entrez, je t'ai demandé doucement de me fouiller, tu m'as pas fouillé. Il y en a un bien poule, vas-y, bon bah ok. Pardon je suis monsieur poulet. Le poulet crétin, on dit. C'est n'importe quoi. Les gars, on va peut-être scammer la ville en entier. Je vais me faire passer pour un riche pour devenir riche, les gars. T'as une vraiment une sale gueule, hein, mec. Chef, mais c'est ma voiture. J'ai besoin d'argent, là. J'ai 150 dollars. On peut m'aider. Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est le gouvernement. Ah. Il y a monsieur le gouverneur qui est arrivé. En fait, j'ai pas de voiture. Ah, c'est on parfait. On est à vous recevoir. Très bien, j'arrive dans deux minutes. S'il vous plaît, y a pas de soucis. Vous pouvez me préparer un petit café, s'il vous plaît, madame? Oui, il y a pas de soucis, je vous prépare ça tout de suite. Je me vais passer pour un Qatari alors que les gars... Bien. Chef, descends de ma voiture avant que je t'emmerde. Bon, je t'emmène là-bas, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, reviens. Putain, c'est sûr, si t'es un sub, il va plus se sub maintenant à la chaîne. Excusez-moi, vous voulez que je le dépose? Montez, je vous dépose. Non, t'inquiète, merci beaucoup, je suis juste là. Ah ouais, t'es sûr? T'es sûr? Ça marche. Hé, bouge plus, je te braque! Bouge plus, je tire! Hé! J'ai aucun buzz, les gars. Oh, c'est là! Ouais! Fermez la porte derrière moi, vite! Voilà, monsieur, venez. Ouf, bonsoir. Pardon? Vous flottez, monsieur? Non, je m'entraîne, c'est une chaise, je fais la chaise. Ah, c'est le gainage. C'est le gainage. Ah, oui, les abdos, madame, vous voulez toucher les abdos? Non, c'est bon. Madame, est-ce que vous aimez les hommes qui ont de l'argent? Oh, moi, vous savez, l'argent ne compte peu. C'est l'amour qui compte, et l'attention, et tout ça qui va avec. Vous êtes célibataire? Ah non, monsieur, je suis mariée. Ah, félicitations! Avec qui? Avec le gouverneur. C'est pas vrai. Eh si. C'est incroyable, c'est un honneur, madame, de vous avoir en face de moi. Mais le plaisir est pour moi. C'est incroyable, arrêtez de me draguer, s'il vous plaît, madame, n'oubliez pas. Vous êtes mariée, madame, n'oubliez pas. Non, mais... Arrêtez de me draguer, madame, sinon je vais dire à votre mari que vous le trompez, d'accord? J'ai du mal à m'asseoir, monsieur, madame, sur votre chaise, donc je mets mes mains sur le côté et je reste en gainage. Y'a pas de soucis. Voilà, je reste en gainage. Hop, moi c'est vraiment ça, c'est mon dada. Oh, bonsoir, monsieur le gouverneur.
bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bah ça va super et vous? C'est un honneur de pouvoir vous rencontrer, enfin. Pas tout l'honneur est pour moi, monsieur. On rentre directement dans le vif du sujet. Je me présente, monsieur Mehmet Bourkinich, un grand Qatari du Qatar. Donc voilà, moi je viens tout simplement directement d'Arabie Saoudite, pas très loin de Dubaï et de El Kaaba. Donc, faut savoir que j'ai fait fortune dans le pétrole, la crypto-monnaie, dans les terres, la métaverse, les NFC et tout ce qui s'en suce. Moi, actuellement, j'ai énormément de milliards de dollars qui dorment. Et j'aimerais, investir dans différents projets en ville. Vous savez, il y a des garages de customisation. Oh ça, écoutez, sinon, après aussi, si vous vous sentez généreux un jour, vous pouvez faire une donation au gouvernement. Bah, vous savez quoi? Oui. Soyons fous. Je me fais une petite folie. Ah oui, avec plaisir. Tenez. Vous voyez la secrétaire. Non, pas moi directement. Tenez, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur. Non, monsieur le gouverneur, permettez-moi, monsieur. Non, monsieur le gouverneur. Tenez, je vais te faire une donation, monsieur, pour vous m'en prouver, voilà, mon honnêteté. C'est pour vous, monsieur le gouverneur. C'est une donation. Tenez, monsieur le gouverneur. Ouh là là, okay, faites-en merci, bon usage pour le gouvernement et pour cette ville qui en a besoin, monsieur le gouverneur, d'accord. Bon, bah là, c'était simplement pour faire connaissance avec vous. Ce serait bien qu'on s'organise un petit rendez-vous prochainement. J'ai le numéro bien de sûr. Votre secrétaire. J'ai son snap aussi. Attention, c'est ma femme aussi. Alors, non. C'est pour le travail. Clin d'œil. Là, il écrit ça. Donc, moi, j'ai pas envie de créer d'embrouille entre vous. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Je vous prends pas plus de temps. Un plaisir de vous rencontrer. Tout plaisir pour moi, monsieur. Enchanté. Sahaf Turkoum, Waraskoum, ciao, bye, Simer. Ciao, bye.